Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies sur le vieillissement physiologique? Donc, il y a en effet une augmentation de la masse grasse par rapport à la masse maigre. Il y a une déstructuration du sommeil avec une perte des différents cycles du sommeil, une insomnie en général d'endormissement, une nécessité souvent de faire une sieste. Il n'y a par contre pas de baisse du débit cardiaque au repos, mais il y a une augmentation de la masse cardiaque chez la personne âgée avec souvent une dysfonction diastolique. Il y a une diminution du péristaltisme, donc avec un risque de constipation plus importante, un risque d'occlusion également parfois, et il y a souvent une sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire chez les personnes âgées.